Aujourd'hui, après toute l'expérience qu'on a fait de la musique sérielle et toutes ces choses extrêmement abstraites, qui étaient sans doute nécessaires à une époque, à laquelle j'ai participé moi aussi, je crois qu'on peut à nouveau, les compositeurs ont à nouveau les moyens, j'ai décrit une musique qui parle peut-être plus immédiatement aux gens, qui est plus directe et dans laquelle le public peut se reconnaître par certaines choses. La poésie de Trakl, en ce qui me concerne, convient mieux pour une soprano lyrique, parce que c'est une poésie qui n'est pas dramatique, pour commencer. Elle est, même s'il y a des élans d'expressionnisme dans cette poésie, c'est un expressionnisme toujours un peu distant, je veux dire. Un expressionnisme qui ne s'implique pas vraiment. C'est que comme si Trakl observait les choses avant tout. Il parle, on dirait qu'il parle peu de lui-même. Il voit les choses très fort. Et je crois que une voix trop dramatique, en ce qui me concerne, n'aurait pas convenu pour cette poésie-là.